Salut à tous, je suis Elissa de la chaîne Ellie Rose. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans et maman bientôt d'un deuxième enfant pour juin 2020. C'est une nouvelle aventure, c'est très excitant. Aujourd'hui, on va parler vergeture. C'est un sujet qui nous importe beaucoup en tant que femme enceinte, hein, je le sais. On est beaucoup dans ce cas-là. On a peur que ça craque, on a peur du résultat et de ce que ça va donner après la grossesse. J'ai la chance de pouvoir tester la Cica Huile de la gamme Bariéderme de chez Uriage. Je vais la tester pendant plusieurs semaines pour vous donner mon ressenti par rapport à cette huile. Bon, ça fait maintenant quelques temps que j'utilise la Bariéderme Cica Huile. J'en suis hyper contente. Franchement, j'ai pas du tout de sensation de grattage comme je pouvais avoir lors de ma première grossesse où j'avais le ventre qui me démangeait en permanence. Pourtant, mon ventre grossit aussi rapidement que pour ma première grossesse. Je dirais même plus rapidement parce que j'ai pris plus de poids. Donc je suis ravie parce que j'avais envie d'utiliser un produit avec une composition saine lors de ma grossesse, c'était important pour moi et qu'il soit aussi efficace hein, parce que bon, évidemment le but c'est d'avoir le minimum de vergeture possible, donc pour l'instant je n'ai pas craqué, ma peau n'a pas craqué, je trouve que c'est une huile qui sèche hyper vite, donc moi j'ai pris l'habitude de la mettre le matin et le soir sur mon ventre mais également sur mes hanches, le haut de mes cuisses et ma poitrine. Je me tartine, ça se voit parce que le flacon, bon ça fait quand même pratiquement 3 mois donc il dure quand même longtemps, mais pourtant je m'en mets une tartine, ça a bien diminué. Le flacon pompe c'est hyper pratique et donc à l'intérieur au niveau de la compo on a plusieurs huiles végétales. Donc notamment l'huile de tournesol, de jojoba et d'avocat. Et ensuite il y a un procédé breveté par Uriage avec d'autres huiles. Il y a vraiment une action cicatrisante et correctrice sur les vergetures. Donc je vais continuer pour le coup à l'utiliser même après ma grossesse parce que on sait jamais, hein, la peau peut craquer aussi au moment où le ventre redégonfle. Donc du coup je continuerai à utiliser cette huile même bien après, parce qu'en plus elle est compatible avec l'allaitement donc c'est parfait. Je vais pouvoir continuer à me tartiner cet été aussi. En tout cas au niveau confort, voilà, c'est top parce que ça sèche vite, j'ai pas du tout la peau qui tiraille et j'ai vraiment une sensation de confort. Je sens que ma peau elle est bien hydratée, elle est tout le temps douce, enfin j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et je le trouve hyper pratique. On arrive à la fin de ce crash test. Je suis maintenant dans mon 6e mois de grossesse. Et comme vous pouvez le voir, mon huile a bien diminué. J'ai pu tester pendant 3 mois cette huile. C'est une huile qui ne reste pas grasse. Donc je peux la mettre le matin avant de mettre mes habits. Le soir avant de dormir, ça colle pas, c'est hyper agréable. Ça pénètre de suite dans la peau. Ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que c'est un format qui est assez économique avec la pompe. C'est très pratique la pompe. Parce qu'on n'a pas tendance à s'en mettre de partout. On a la bonne dose et du coup c'est hyper économique parce qu'en 3 mois vous pouvez voir qu'il reste quand même pas mal de produits, j'ai pas tout utilisé. Évidemment pour moi le test ne s'arrête pas ici parce que je vais continuer à l'utiliser jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc en termes de résultats, mis à part les vergetures qui étaient déjà présentes de ma première grossesse, j'ai pas d'apparition de nouvelles vergetures. Mais c'est surtout la sensation de confort qui est hyper agréable. Vu que j'ai un ventre qui grossit beaucoup, j'ai pris déjà beaucoup de poids. Pour ma première grossesse, j'avais beaucoup la peau qui grattait, qui tirait. Et là, j'ai jamais eu la peau qui gratte pour l'instant, donc ça c'est assez dingue. Et dès que je sens que ma peau tire, hop, je vais appliquer mon huile parce que j'en ai vraiment besoin 2 fois par jour. C'est vraiment utile pour moi et je pense que ça va vraiment limiter la casse pour moi, donc je suis ravie de ce produit. Uriage, c'est une marque que j'avais déjà utilisée pour ma fille, mais pas encore pour moi. Donc j'étais ravie de découvrir ce produit lors de ma grossesse et je vais vraiment continuer à l'appliquer même après l'accouchement. Malheureusement, il faut persévérer avec ce genre de problème. Les vergetures, ça arrive aussi quand la peau se détend. Donc je vais vraiment continuer, je pense, là sur toute l'année, tout le reste de l'année, d'utiliser ce produit et de garder cette routine de l'appliquer 2 fois par jour. J'espère que cette vidéo crash test vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!